Alors, je voudrais reprendre sur la question de la notion de collection, puisque, évidemment, cette question, c'est les enjeux d'un fonds de cinéma, c'est-à-dire, effectivement, les enjeux de mettre en place une collection dans les médiathèques, une collection cinéma et vidéo, d'ailleurs, élargie, hein, puisque aujourd'hui, vous savez que la frontière évidemment assez ténue entre les productions qui sont faites pour le cinéma et les productions qui sont faites pour la télévision, voire pour le web. Hein. C'est, de toute façon, la télévision finance la quasi-totalité de ce qui passe à la télévision aujourd'hui. En tout cas, la télévision ou le CNC finance, hein, de toute façon, à peu près tout ce qui se fait dans beaucoup de domaines. Donc les enjeux de cette question de la collection, premièrement, vous savez que constituer une collection, ça fait partie, bien entendu, depuis toujours, de la responsabilité d'un bibliothécaire, mais aussi de sa liberté, justement. C'est que on doit constituer les collections à la fois librement et en même temps de façon responsable. C'est ça qui justifie notre liberté, c'est aussi qu'on est attentif, justement, par exemple, à la réalité des pratiques de ses usagers, par exemple aussi, responsabilité par rapport à des équilibres, effectivement, tout ça. Mais librement, c'est-à-dire, les bibliothèques sont légitimement assez sensibles à éviter toute pression qui serait exercée par, par exemple, par un pouvoir politique local, évidemment, mais cette liberté, elle va avec une responsabilité, ce que l'ancien président de l'ABF, Michel Melot, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce monsieur qui était quelqu'un de vraiment important, qui est toujours vivant, hein, il est de la retraite, mais appelle la sagesse du bibliothécaire. Il a publié un petit ouvrage je trouve excellent sur cette question. La sagesse du bibliothécaire, c'est effectivement... C'est ça, en fait, hein. C'est d'être attentif justement à la fois à son public, à des équilibres, etc. Et de cette responsabilité qui lui donne une légitimité. Je rappelle ça parce que, effectivement, dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, cette liberté, elle n'est pas facile à mettre en œuvre pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire qu'on passe par des fournisseurs qui ont eux-mêmes leurs propres contraintes. Et donc, on ne peut pas constituer nos fonds de façon totalement ouverte. Parce que nos fournisseurs, alors peut-être certains d'entre vous ont été, en tout cas, forcément, la bibliothèque départementale a été aux prises avec ça, sur la question des marchés publics, qui font qu'il faut qu'on choisisse un fournisseur, et du coup, qu'on éventuellement se coupe. Alors, on lotit les trucs pour justement essayer d'ouvrir au maximum, mais globalement, on est quand même condamné à dire, si je choisis un fournisseur, ça veut dire que je choisis un certain type de fonds, et puis si j'en choisis un autre, c'est plus ouvert de fonds, etc., puisque les fournisseurs n'ont pas tous la même offre. C'est déjà embêtant aujourd'hui, on va voir que ça peut le devenir encore plus. Si vous voulez une analogie un peu sévère, mais malgré tout qui, je pense, est expressive, hein, c'est juste une analogie. Aujourd'hui, on est en face d'une situation où c'est un peu comme si on avait un représentant de Gallimard qui venait nous voir en nous disant « je peux vous offrir l'accès à tout le fonds de Gallimard, et donc vous signez avec moi et vous avez les films les œuvres de Gallimard dans vos fonds ». Et puis le lendemain, vous aviez un responsable du seuil qui disait ben, « moi, je vous propose le fonds du seuil ». Comme commercialement, vous aurez du mal à cause des coûts, à avoir les deux, ben finalement, dans vos fonds, vous n'aurez que les offres de Gallimard. Et si vous avez un usager qui vient en disant « Ah, moi, j'aimerais avoir le dernier livre de Tanguy Viel. Ah non, je suis désolé, il est aux éditions Minuit et je n'ai pas le contrat avec les éditions Minuit. » C'est difficile à imaginer. Or, c'est quand même un peu ça, cette situation devant laquelle on est aujourd'hui sur l'audiovisuel. Donc, la constitution du collection, oui. Allez-y. Pour quelle raison on n'a pas le droit d'avoir deux fournisseurs? Pourquoi on peut avoir deux fournisseurs. L'argent. Oui, on peut avoir autant de fournisseurs qu'on veut, mais
Et c'est d'ailleurs pour ça que la bibliothèque départementale, sans doute, je n'ai pas posé la question à Blaise, mais pratique le lotissement, en fait. On fait des lots parce que ça permet justement d'élargir cette offre. Mais il y a la question des marchés publics qui limite malgré tout assez fortement. On ne peut pas signer les marchés publics avec tous les fournisseurs. Ce serait d'ailleurs probablement pas productif parce que malgré tout, il y a une large partie de l'offre qui est commune. Comme il y a une situation concurrentielle, ben, on ne va pas forcément trop développer ça, mais on a aussi les fournisseurs en général d'ailleurs, qui peuvent être tentés de se présenter comme ayant une offre extrêmement large, et puis le jour où on commande, on s'aperçoit qu'en réalité, ils n'ont plus le film, ou peut-être qu'ils l'ont eu à peine, ou peut-être qu'ils ne l'ont jamais eu, hein, parce que c'est un marché très concurrentiel. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà connu ces situations ou pas, à la bibliothèque départementale. Non ? Parce que ça arrive, en fait. Les fournisseurs, ils ont forcément, comme c'est très concurrentiel, ils arrivent en disant « Moi, j'ai tous ces films-là. » En fait. Puis dans les faits, ils les ont, mais au moment où on les commande, ils ne les ont plus. Ça arrive. Oui, souvent. Souvent. Chaque commande. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'ils les ont vraiment eus, hein? En fait, est-ce qu'ils ont, par exemple, acheté à l'éditeur 10 exemplaires histoire de pouvoir l'ajouter à leur catalogue, et puis en fait une fois qu'ils disaient mais vendu, ben, ils n'ont plus, puis voilà, puis c'est pas grave parce que ça servait juste à avoir la référence au catalogue. Exactement. C'est... Comment ? Exactement. Oui. Voilà, donc c'est des contraintes qui peuvent être lourdes. Et souvent d'ailleurs, moi je vois dans mes commandes, ils annoncent des titres sur leur site, et quand on les commande, ils ne les ont pas du tout en stock, en fait. Ils sont en attente fournisseur. Oui. Donc comment ça fonctionne dans ces cas-là? Ils ne sont pas censés avoir quand même un stock minimum pour pouvoir proposer ou... Ils n'ont aucune obligation. D'accord. Ils n'ont rigoureusement aucune obligation. Et du coup, ils peuvent dire « je l'ai mis au catalogue parce que je suis en négociation avec le... » avec le producteur, mais cette négociation avec l'éditeur, et cette négociation, elle est peut-être purement formelle. D'accord. En fait, on ne saura jamais. Ça m'explique beaucoup de choses, merci. On ne saura jamais, en fait. Parce que justement, cette relation, nous, on a un contrat avec le fournisseur, mais la relation que le fournisseur a avec l'éditeur, elle est opaque, en fait. Donc, c'est très difficile. Donc voilà, c'est juste pour rappeler qu'on a cette contrainte qui n'existe pas sur les autres. Or, on va voir que cette contrainte, elle est amplifiée par le développement du numérique aujourd'hui, notamment par l'accès VOD et SVOD. Est-ce que vous connaissez la différence entre VOD et SVOD? Tout le monde a des conséquences. La VOD, c'est la vidéo à la demande, en fait, avec ce qu'on appelle un paiement à l'acte. C'est-à-dire que je suis usager, je veux voir un film. Je le commande, je paye une somme, mettons curieusement 3,99€, parce que c'est toujours 0,99€, c'est comme ça. Hein. Donc je commande ce film, je peux le visionner pendant une durée limitée, 24 heures, 48 heures, une semaine, etc. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle la VOD. Et puis il y a la SVOD, ça c'est par abonnement. C'est-à-dire que Netflix, typiquement, hein, je paye un abonnement mensuel qui va lui aussi être avec 0,99, mais plus cher forcément, et dans lequel je vais avoir accès à l'ensemble de l'offre du fournisseur, non pas en paiement à l'acte, mais forfaitairement. C'est-à-dire que je peux regarder aussi bien zéro film, un film, que 50 films dans le mois, et je vais toujours payer 9,99€. C'est le principe de la SVOD. Ça a une conséquence un peu lourde, c'est que je vous ai rapidement parlé de ce qu'on appelle la chronologie des médias, qui est une spécificité française pratiquement. Hein. Ça n'existe pas aux États-Unis, par exemple, si on est en face d'un producteur américain et qu'on lui parle chronologie des médias, c'est comme si on tombait de la planète Mars. Hein. Pour lui, c'est des choses qui n'existent pas du tout. Mais la chronologie des médias, c'est la conséquence, en fait, justement, de la protection très très forte de l'exploitation cinématographique en France. En
fait, à cause, ou plutôt grâce à un système très vertueux qui est en France, qui est que le cinéma s'autofinance, en fait. C'est pas, il n'y a pas de subvention publique pesant sur le budget de l'État pour le cinéma, hormis les dispositifs fiscaux, hein, mais en dehors des dispositifs fiscaux, tout ce qui soutient la production, la distribution, la diffusion, l'édition, etc., l'exploitation du cinéma en France, est subventionné par le cinéma lui-même. C'est-à-dire que si vous allez voir le dernier James Bond, en fait, il y a une part du billet que vous versez à la salle qui va être versée au cinéma, qui va abonder un fonds grâce auquel le CNC pourra soutenir la production du prochain film de Pascal Ferrand. Hein. C'est ce mécanisme. C'est pas la seule taxe, la taxe sur la billetterie, il y en a d'autres, notamment des taxes qui rapportent beaucoup plus d'argent aujourd'hui, hein. La taxe sur les recettes publicitaires des chaînes, par exemple, hein, qui est des chaînes de télé. Mais en gros, le budget année normale du CNC, c'est 800 millions d'euros qui sont reversés à la production, la distribution, l'édition, etc. Et y compris une association comme Image en Bibliothèque, hein, qui est soutenue par le CNC via ce mécanisme, et non pas par le budget d'État, en fait. Hein. Donc, ils s'autofinancent. Mais en échange de quoi, hein, puisque l'État, via le CNC, soutient très fortement, en échange de quoi le secteur cinématographique est extrêmement protégé, notamment les exploitants sont très protégés via ce mécanisme de la chronologie des médias qui dit qu'on ne peut pas passer un film, par exemple, dans le site purement commercial, hein, avant un an après la date du visa qui a été sollicité par le distributeur pour montrer le film en salle. Donc ça fonctionne, ça, la chronologie média, pour les films qui sortent en salle. Tout le reste est exonéré de la chronologie des médias. Ce qui fait qu'il y a toute une partie de ce que nous, on peut montrer qui n'est pas lié à la chronologie des médias. Mais par contre, si vous montrez un film qui est sorti en salle, bref, mais y compris un film de patrimoine, parce que cette chronologie des médias s'applique aussi, dans certains cas, au film de patrimoine qui ressort en salle. Donc voilà, on a un an pendant lequel on ne peut pas montrer le film. Mais cette chronologie des médias, elle s'applique aussi très fortement à l'accès au film sur les plateformes. Donc par exemple, un film qui sort en SVOD, ben, en fait, il ne peut pas être présent sur une plateforme de SVOD avant 3 ans après l'exploitation du film en salle. 3 ans. Ce qui est extrêmement long. C'est ça qui explique d'ailleurs que, vous le savez sans doute, les films qui sont produits par Netflix, ben, ne sortent pas en salle. Parce que Netflix, évidemment, pour eux, produire un film et de pouvoir l'exploiter sur leur plateforme que 3 ans après, c'est inimaginable. Évidemment. Donc c'est une conséquence de la chronologie des médias, c'est cette lutte assez spécifiquement française entre les plateformes et les salles, hein, qui dit est-ce que bah, les films Netflix ne sont pas au Festival de Cannes, alors qu'ils sont au Festival de Berlin, de Nice, etc. Hein, c'est particulièrement bien. Ça va avoir une conséquence pour nous, vous allez voir, hein, c'est que les offres de VOD et SVOD qui sont proposées par les fournisseurs, aujourd'hui, il y a 3 fournisseurs généralistes et un certain nombre de fournisseurs spécialisés. Les 3 fournisseurs généralistes, hein, qui sont Mediatek Numérique, qui est une offre qui est proposée par Arte et Universiné, Adavision, qui est proposée par Adavision Médialique, qui est proposée par l'ADA, et CBS, ne sont pas équivalentes, en fait, en termes justement de rapport à la chronologie des médias. Parce que l'offre d'Arte et d'Universiné, c'est du paiement à l'acte, hein, pour la bibliothèque, hein, et donc évidemment par le fournisseur auprès de ses producteurs, hein, c'est du paiement à l'acte, c'est-à-dire qu'il paye quand chaque usager qui vient consulter chez vous un film sur cette plateforme-là, eh bien, il y a une somme qui est versée par le fournisseur au producteur, alors que la Davision, c'est une offre de SVOD, c'est-à-dire c'est une acquisition forfaitaire. Résultat, la Davision, les films sont accessibles qu'au bout de 3 ans, ce qui est un handicap assez fort, hein, pour cette proposition. Voilà.
qu'est-ce que ça devrait être, en fait, une offre de VOD accessible pour les vidéothèques, en fait. Qu'est-ce que ça devrait être? Parce que malheureusement, ça n'est pas. C'est-à-dire que, pour l'instant, il n'y a aucune offre, en fait, aujourd'hui, qui réponde à 100% à ce que devrait être une offre de VOD pour les médiathèques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. D'ailleurs, vous le faites, et puis c'est un projet. Donc, ce n'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas le faire. Mais je pense qu'il faut être conscient que ça doit évoluer et qu'il va falloir que les bibliothèques continuent à essayer de faire évoluer ces offres parce qu'il n'y en a aucune qui est réellement satisfaisante. Qu'est-ce que ça devrait être? Ça devrait être une offre dans laquelle les médiathécaires choisissent ce qu'ils mettent à disposition des usagers. Comme je disais, une particularité de la bibliothèque, c'est que le bibliothécaire, il est libre et responsable de constituer son propre fonds. Or, vous allez voir que, malheureusement, toutes les offres, aujourd'hui, ne permettent pas réellement de constituer soi-même, de faire soi-même son propre choix. C'est un problème, c'est un problème philosophique. Alors, bon, on peut malgré tout faire parce que les offres sont importantes, mais vous allez voir que ça a une conséquence, à mon sens, ça peut avoir une conséquence très très lourde à long terme sur les offres des médiathèques et sur leur diversité, en particulier, évidemment. C'est la première chose. La deuxième chose, ça doit aussi être une offre qui est forfaitaire, justement. On n'a jamais toléré dans les médiathèques, sauf, il y a une petite exception pour ce qu'on appelle les bibliothèques pour tous, qui ont fait payer parfois le prêt du livre, 50 centimes, à l'acte, en fait, en quelque sorte. Mais la pratique des médiathèques depuis toujours, c'est un accès forfaitaire. C'est-à-dire qu'on achète un livre, et après, l'usager, ben, il prend un abonnement, quand c'est payant, quelquefois c'est gratuit, ça dépend des médiathèques, mais il prend un abonnement, et après on ne lui dit pas « Ah ben t'as pris un livre qui est très demandé, donc je te fais payer 1 euro, et puis t'as pris un livre qui est moins demandé, donc je te fais payer 20 centimes ». On n'a jamais fait ça. Et on n'a jamais dit ben, « Vous payez à chaque fois que vous empruntez ». C'est un accès forfaitaire. Donc le paiement à l'acte en soi, ben, il est problématique dans les... Je peux citer des exemples. Dans une bibliothèque de recherche, par exemple, le paiement à l'acte peut être ravageur, parce qu'un chercheur, il peut très bien regarder un film pour 10 minutes, parce que c'est une séquence, il peut revenir 10 fois dans la journée à regarder cette même séquence, il peut les confronter avec d'autres, etc. Donc il va faire 50 actes de lecture dans la journée, et la médiathèque, bibliothèque universitaire, par exemple, elle peut être amenée à payer 50 fois l'accès, simplement parce que c'est du paiement à l'acte. Il y a des mécanismes qui permettent de limiter ça, mais l'usage du paiement à l'acte, c'est quand même ça, en fait. On n'a jamais autorisé ça dans les médiathèques. En fait, une médiathèque de recherche, on sort 10 livres, on le consulte 10 fois, et c'est forfaitaire. Donc, l'accès devrait être forfaitaire, c'est ça qui devrait être mis en œuvre. Enfin, l'offre, elle doit être valorisable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, justement, faire un coup de cœur, éventuellement faire une projection, etc. Or, toutes les offres ne permettent pas de faire ce genre d'action de valorisation, et en particulier de valorisation numérique. Hein, c'est un des enjeux quand on met en œuvre une offre de VOD dans sa médiathèque, c'est comment on la valorise. Parce que si on ne la valorise pas, en fait, on peut vraiment s'interroger sur le métier qu'on fait. Est-ce que le rôle de la médiathèque, c'est simplement d'offrir un accès finalement moins coûteux un service qui existe déjà sur le marché, en fait. Si c'est que ça, ben, est-ce qu'on fait notre métier? Donc ça n'a de sens que si on valorise. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est vraiment ça, ça n'a de sens. Or, cette valorisation, elle n'est pas toujours aisée. Ce n'est pas toujours une préoccupation des fournisseurs que de vous aider à le faire. De plus en plus, parce que les médiathèques ont fait entendre leur voix, justement, donc les fournisseurs sont de plus en plus conscients de ça, en fait, de cette nécessité, mais ça reste compliqué pour des tas de raisons, ne serait-ce que des raisons techniques, hein. C'est difficile pour un opérateur de mettre en œuvre des plateformes qui seraient éditorialisables par n'importe quelle médiathèque, etc. Pourtant, c'est ce qu'on doit pouvoir faire. Or, vous allez voir que si on examine chacune des offres, en fait, ben, ce n'est pas le cas. Que ce soit les offres généralistes ou les offres spécialisées pour des quantités de raisons, hein, qui sont légitimes. Il ne s'agit pas de crier un rond sur le baudet et de dire
ce sont parce que c'est des méchants, finalement. C'est des raisons qui sont historiques, juridiques, c'est pas facile. Typiquement, je crois que ce que vous allez mettre en œuvre, c'est l'offre médiathèque numérique RT et Universiné. C'est une offre qui est formidable en termes de fonds. Hein, c'est sans doute la plus riche. C'est d'ailleurs, pour vous dire, c'est celle qui remporte le plus grand succès dans l'ensemble des médiathèques en France. Hein, c'est la offre généraliste, en tout cas, la plus répandue pour ces qualités-là. Mais enfin, par rapport aux conditions que je viens de poser, malheureusement, aujourd'hui, l'offre médiathèque numérique ne permet pas de constituer son fonds. En réalité, c'est une offre clé en main. C'est voilà le fonds. Il se trouve que le fonds, il est riche, etc. Donc, bon, très bien. Mais il ne permet pas de choisir. Il ne permet pas, par exemple, d'ajouter une collection locale. On ne peut pas ajouter un titre. Il est relativement difficile à éditorialiser. Hein, c'est pas impossible, il y a des libertés, mais il est relativement difficile à éditorialiser pour la raison même que c'est une offre nationale, hein, donc qui est faite, qui est en plus une offre qui reprend des offres qui sont déjà disponibles pour les, dans le commerce, en fait, en ligne. Donc voilà, c'est des difficultés, hein, ça pose aussi d'autres questions que je vais développer. Mais si on examine les offres en détail, les offres de CBS et de Adavision, en fait, celles d'Adavision ont plusieurs défauts. Elles en ont toutes, hein. C'est pas pour dire qu'il y en a une meilleure qu'une autre, hein. c'est malheureusement, elles en ont toutes, et malheureusement, quand on fait un choix aujourd'hui dans les médiathèques, on fait un compromis qu'on est obligé d'examiner par rapport à sa situation, ce qu'on veut offrir, etc., malheureusement. L'offre d'Adavision, elle a un problème de coût, pour différentes raisons que je ne vais pas développer, elle a un problème de coût, et elle a ce problème qu'elle est handicapée par la chronologie des médias, hein, par rapport aux autres qui sont des offres en réalité de paiement à l'acte, que ce soit Arte, ou que ce soit Médiathèque numérique, ou que ce soit CBS, c'est des offres de paiement à l'acte. En fait, derrière le modèle, c'est le paiement à l'acte. Du coup, ils échappent un peu davantage à la chronologie des médias, parce que dans la chronologie des médias, le paiement à l'acte, de mémoire, c'est 4 mois. Hein, ça doit être ça, je pense. Donc, 3 ou 4 mois suivant les types de films. Donc, vous voyez, en fait, le problème. Alors, fondamentalement, une autre conséquence de ça, hein, et qui est très grave, qui est contenue dans ce que je viens de dire, c'est que on est, pour le coup, là, complètement dans le fait que choisir un fournisseur, c'est choisir un type de fonds. Or, la réalité des usages aujourd'hui de notre public, elle peut être extrêmement différente et va l'être de plus en plus. C'est-à-dire que notre public, par exemple, il va prendre une offre chez Netflix qui ne sera probablement jamais accessible aux médiathèques, dans lequel il y a des œuvres qui lui parlent, qu'il a envie d'avoir, etc., et que la médiathèque sera probablement jamais à même de proposer au public. Ça, c'est un problème. Parce que le risque, évidemment, c'est que si on prend l'exemple de médiathèque numérique, et c'est pareil avec les autres, hein, c'est que la collection se spécialise, devienne de plus en plus, je dirais, entre guillemets, un télo, hein, d'une certaine façon. Évidemment, hein, les offres des fournisseurs type médiathèque numérique, c'est des offres de grande qualité. Mais évidemment, dans le choix de la constitution des collections des médiathèques, on a toujours réuni aussi bien, pour les raisons qu'on parle au public, hein, simplement, ça fait partie de notre volonté d'équilibre, on a aussi bien proposé Guillaume Musso que Georges Perec, en fait. Hein, et c'est important qu'il y ait cette diversité. C'est important que les médiathèques ne soient pas simplement des lieux dans lesquels on n'accueille que les amateurs de Georges Perec, hein, c'est important. Même si en tant que bibliothécaire, peut-être par exemple on déteste Guillaume Musso, on sait très bien qu'on ne constitue pas notre propre collection. C'est ça la sagesse du bibliothécaire. C'est pas constituer dans sa bibliothèque la collection qu'on constitue chez soi, avec les auteurs qu'on aime, etc. On sait bien que c'est pas la même chose. Et bien en fait, malheureusement, cette spécialisation dans laquelle on est porté, ça peut aboutir dans quelques années, hein,
si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas ce travail, en fait, hein, que les bibliothèques doivent faire, je pense, par l'intermédiaire de leurs représentants. C'est la même chose pour les livres numériques. Hein. C'est éventuellement les mêmes craintes, en fait. Eh bien, en fait, on risque fort d'avoir des bibliothèques dans lesquelles ce qui est accessible, c'est une offre de grande qualité, mais qui finalement fait beaucoup moins le pont avec une offre, je dirais, plus populaire, plus large, plus ouverte, en fait. Clairement, hein, ça veut dire que peut-être on va avoir du mal à avoir Game of Thrones, même si je crois que Game of Thrones c'est l'éditeur DVD en fait, hein, mais une série comme celle-ci, une grande série en public, on va avoir du mal à la voir dans ma médiathèque, alors qu'elle mérite pleinement d'être dans une médiathèque, évidemment. Et par contre, on va avoir le dernier film des Frères Largueux, hein, qui est sûrement super, je ne l'ai pas vu, hein, mais évidemment, qui est avec lequel la médiation avec le public n'est pas du tout la même. Ça, c'est quelque chose qui risque de nous arriver. Oui. Est-ce que sur ces plateformes, avec cet accès, on aura le droit, il y aura les mêmes problèmes de diffusion? Excusez-moi, je vous... Est-ce qu'avec ces plateformes de la diffusion, est-ce qu'on aura le même problème de diffusion? Parce que là, c'est la bibliothèque départementale, du coup, qui nous met à disposition. Les adhérents auront chacun un compte. Est-ce que nous, du coup, en tant que bibliothèque, si on a un compte aussi, est-ce que du coup, on peut faire des projections via cette plateforme, ou il y a toujours ce souci aussi? En fait, ça va dépendre des droits qui ont été acquis par la plateforme, mais a priori, la plateforme, elle n'est pas faite pour organiser des projections, je pense. Non. Donc, en fait, il faudra s'adresser à la bibliothèque départementale pour voir si les droits peuvent être étendus. En fait, il y a un certain nombre de... Par exemple, typiquement, avec la médiathèque numérique, les gens d'Arte, parce qu'en fait, c'est géré par Arte, la médiathèque numérique, c'est Arte Université, mais c'est Arte qui gère. En fait, les gens d'Arte sont très conscients que leur offre dans les médiathèques doit pouvoir être valorisée. Et donc, ils ouvrent des droits de projection à un certain nombre de titres. Donc, pas tous, parce que c'est compliqué juridiquement, mais ils sont conscients. Hein. Donc, je pense qu'on peut évidemment s'adresser à la bibliothèque départementale, qui elle-même va, je pense, relayer les droits qui seront accessibles. Donc, c'est pas du tout... Typiquement, les gens d'Arte savent que c'est ce qu'il faut faire. Avec les offres de CVS, c'est pareil, ils le savent. Tous les fournisseurs le savent aujourd'hui, évidemment. Mais je crois que je vous avais pris aussi l'offre de la BPI des yeux d'oc. Donc c'est ça. Ben, les yeux d'oc, en fait, c'est des droits très larges, dans lesquels il y a effectivement aussi les droits de projection. Mais les yeux d'oc, c'est une offre qui est une offre spécialisée sur le cinéma documentaire, de qualité. Hein. Et qui est conçu par des bibliothécaires, c'est les bibliothécaires de la BPI, et donc c'est une collection fermée également, c'est-à-dire que vous, dans la région, vous ne pouvez pas intervenir sur les fonds qui sont choisis par la BPI, c'est vraiment la BPI qui les choisit. C'est quand même des bibliothécaires qui sont un peu conscients de ce qui peut être fait, et ils sont conscients notamment qu'il faut pouvoir les valoriser, donc les droits sont larges, il y a des droits de projection dans les médiathèques. Hein. Donc il faut savoir ça en fait. Mais je pense que la BDP le sait parfaitement et va être consciente de ce qui est possible à faire en valorisation, évidemment. Mais voilà. Mais tout ne sera pas accessible pour une valorisation, évidemment. Les fournisseurs donnent accès, plus ou moins, ça dépend des offres, donnent accès à des outils qui vous permettent de faire des médiations numériques. Hein. Après, je ne sais pas ce qui sera relayé sur la plateforme, hein, parce que mais ils permettent, par exemple, de diffuser des extraits, des bandes annonces, des affiches, etc. Ils peuvent le faire, mais avec certaines contraintes, là encore pour des raisons juridiques, avec certaines contraintes. Voilà. Donc voilà, le risque que je vois, moi, c'est ça. Hein. C'est vraiment qu'en fait, on se retrouve à ne plus pouvoir produire cette continuité d'offres, cette largeur d'offres qui est traditionnelle dans les médiathèques, qui permet justement de suivre ces parcours hein, que tout le monde, enfin, qu'on attend des médiathèques, ces parcours d'usagers. Et pour ça, moi, je ne vois pas vraiment. Enfin, il y a une solution, je vous parlais tout à l'heure, mais qui est très lointaine, qui est de faire évoluer le droit, évidemment, imposer un certain nombre de contraintes. Ça ne sera pas facile. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient qu'on a une pression à faire pour que le droit évolue. Il y a aussi une chose, je crois que ça met profondément en cause la notion de collection, c'est-à-dire que nos médiations, peut-être,
ne se font plus, ne doivent plus uniquement se faire avec les fonds qu'on possède. Que ce soit des fonds physiques, hein, des DVD aujourd'hui, vous savez que DVD, on ne sait pas à quel moment il sera, mais il est menacé. C'est un support qui va disparaître. Je ne sais pas si les plus jeunes d'entre vous, mais peut-être en tout cas les enfants qui sont de jeunes adultes, n'ont plus de lecteur CD et plus de lecteur DVD, c'est fini. Hein. C'est comme ça. Et donc, vos usagers, petit à petit, vont ne plus avoir de lecteur DVD et de CD. Les éditeurs, évidemment, sont dans sa position de mener des politiques où ils vont éditer peut-être moins, hein, puisqu'il n'y aura plus de marché, donc petit à petit, ça va ralentir. On a encore un peu de temps devant nous, parce qu'il y a beaucoup d'abord, il y a tout un public qui continue. Il y a aussi une édition très spécialisée. En fait, il y a un paradoxe, c'est que la vente des DVD s'effondre, hein, mais le nombre de titres édités augmente. En fait, il y a des éditeurs de niche, de plus en plus, qui éditent des titres à tout petit tirage. Donc pour les médiathèques, il y a encore largement de quoi constituer des collections passionnantes, en fait, hein, parce qu'il y a des titres nombreux qui sortent, et nombreux, mais passionnants. Avec tout un public qui continue à être sensible à ces éditions, qui peuvent être des éditions de grande qualité. Je pense par exemple à ce que fait un éditeur comme Carlotta, hein, qui édite des films de patrimoine, un peu de niche, hein, c'est pas forcément le grand public, mais dans des éditions avec beaucoup de bonus, beaucoup d'accompagnement, etc. Là, il y a un public toujours encore aujourd'hui là-dessus, donc voilà. Donc c'est pas mort, mais c'est évidemment en voie d'extinction dans je ne sais pas combien de temps. Hein, ça peut aller vite, 5 ans. Ça peut être plus long, 10 ans, 15 ans, je n'en sais rien, personne ne sait, je pense, hein, à quelle vitesse ça peut aller. Donc on est bien obligé, oui, j'ai vu qu'il on est bien obligé, nous, de tenir compte de ça, en fait, hein, de tenir compte de ce paysage. Et comme on voit très clairement que nous n'aurons pas accès à une diversité d'offres qui est importante, je crois qu'on est invité à bouleverser la notion de collection telle qu'on l'a pensée dans les bibliothèques depuis très très longtemps. Et se dire en particulier, la médiation, elle peut se faire avec des objets qu'on ne possède pas physiquement, ni même dont on ne peut pas offrir un accès. Ça veut dire, je prends toujours l'exemple de Game of Thrones, parce qu'il ne me vient pas d'autres en tête, je n'ai pas Game of Thrones dans les collections, mais par contre, je peux peut-être pratiquer quelque chose qui correspond effectivement à la demande de l'usager, pour mettre en relation, pour travailler sur cette œuvre, regarder qu'est-ce qu'elle produit, et de mettre en relation avec peut-être d'autres œuvres que peut-être j'ai dans la collection ou d'autres œuvres que je n'ai pas dans la collection. En tout cas, accompagner les parcours des usagers, y compris si je ne donne pas accès. Oui, par exemple, on n'a pas la plateforme Netflix, mais il y a énormément de gens qui vont sur Netflix, qui regardent des séries ou des films, et il y a des livres qui sont à l'origine de ces séries ou de ces films qu'on peut mettre en évidence. Moi, je le fais dans ma bibliothèque en particulier. Oui. Ça marche super bien, en fait. Voilà. Parce que ce qui est super, c'est que les gens, ils voient la série, mais ils sont quand même intéressés pour lire le livre d'origine. Donc, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les bibliothèques. Donc, effectivement, on n'a pas le support, mais on peut... Bon, après, il faut avoir accès à la plateforme, mais on peut attirer la... Et un public qui dans la bibliothèque via ces... Absolument. Alors, je suis obligé d'aller vite, hein, mais effectivement, on a toutes ces... En fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on a des difficultés, évidemment, en termes d'accès, d'offrir des accès. On a une difficulté par rapport à la programmation parce qu'on a un contexte juridique qui est compliqué, hein, évidemment. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Et puis on n'est pas forcément le lieu idéal, hein. Il faut réunir des conditions techniques, etc. Donc ça invite à notamment, quand c'est possible, mettre en œuvre des partenariats. Les partenariats entre les médiathèques et les cinémas, ça existe, ça se développe beaucoup. Notre association Image Bibliothèque cherche depuis très longtemps à essayer de les développer. C'est pas facile, les cinémas ne sont pas tous sensibles à ça. Si c'est un multiplex, par exemple, on va en général avoir aucune collaboration possible. Mais par contre, on peut imaginer des choses avec des cinémas indépendants. Il y a beaucoup de choses qui se font. C'est important parce que le lieu du cinéma, c'est quand même le cinéma. C'est quand même la salle qui réunit des conditions techniques qu'on n'est pas toujours à même de réunir.
on peut essayer de faire beaucoup de choses. J'ai donné une petite fiche qui vous sera envoyée sur réunir les conditions techniques, et je pense que Laura va en parler aussi cet après-midi. Hein. C'est possible à faire. Maintenant, il ne faut pas hésiter à faire des partenariats avec des lieux qui sont plus adaptés. Hein. C'est possible de sortir des murs aussi, c'est pas du tout impossible. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire que la programmation. On peut faire des conférences, on peut faire des cours, on peut faire de l'éducation à l'image. C'est très important, évidemment. Il y a une responsabilité des médiathèques publiques aujourd'hui à travailler sur l'apprentissage de la lecture, en général d'ailleurs, de la lecture, mais aussi principalement de la mise en œuvre des regards critiques. Et là, l'image, compte tenu de la place qu'elle prend dans nos univers aujourd'hui, tout ce qui est éducation aux médias et à l'information, c'est évidemment très important, et ça peut se faire avec des projections, des films sur lesquels on a des droits, mais aussi en appliquant ce qu'on appelle le droit de citation, qui existe dans le cinéma et dans l'audiovisuel, dans des contraintes qui sont décrites par la loi, qui sont, je ne vais pas les détailler, mais sachez que ça existe, vous pouvez utiliser un extrait de film court pour le commenter, pour travailler sur l'éducation du regard. C'est possible. Ça peut se faire en atelier, on peut faire des ateliers de fabrication de films. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de le faire. Peut-être que Laurent parlera aussi, je ne sais pas, hein, de fabrication, de tournage. En tout cas, il y en a des quantités dans les structures. Voilà. Parce que pour le futur, en fait, je pense qu'on a effectivement des rôles sur l'éducation artistique et culturelle, éducation aux médias, au cinéma, à la télévision. C'est un rôle qu'on doit occuper comme on l'occupe sur l'ensemble de la culture, évidemment, dans cette idée de parcours transmédia. On a une responsabilité civique également pour justement l'éducation aux médias et l'information. On a une responsabilité en matière de mise en œuvre des droits culturels. Je disais tout à l'heure, la loi a été votée hier, la loi sur les bibliothèques. Je n'ai pas pu la lire, elle n'est pas encore disponible. J'ai lu ce matin un petit rapide compte-rendu des débats. Les droits culturels ont été définis, comme vous le savez peut-être, par la déclaration de Strasbourg en 1993 à l'UNESCO, qui sont des droits à la participation du public. Ben, on est en plein dedans, et la loi sur les bibliothèques les a explicités, introduits aujourd'hui dans la loi sur les bibliothèques, donc on doit les mettre en œuvre. On a une responsabilité très forte, à mon sens, là-dessus. On a aussi une nécessité d'évolution juridique qui, j'espère, sera un jour efficace, mais qui doit être porté par les associations. À mon avis, une exception pédagogique, une vraie exception pédagogique qui doit être mise en place, qui n'existe pas en France, qui existe dans d'autres pays, qui n'existe pas en France, réellement, en fait. Et une obligation d'accessibilité aux œuvres, chose qui existe pour les autres médias et qui n'existe pas pour le film, c'est-à-dire quelque chose qui dirait dans la loi qu'à partir du moment où une œuvre est livrée au public, elle doit être accessible dans des lieux qui sont des lieux d'accès au public, notamment une médiathèque. Elle doit pouvoir être accessible. C'est-à-dire qu'on n'est pas des commerçants, j'ai rien contre les commerçants, chacun fait son métier, mais qu'on n'est pas des commerçants qui puissent dire « Moi, cette œuvre-là, je ne veux pas qu'elle soit accessible dans un lieu public culturel comme la médiathèque. » C'est vraiment une obligation qui dit « Vous mettez une œuvre dans le commerce, eh bien, elle est accessible dans la médiathèque. » Comme ça existe pour le livre, tout simplement. Voilà. Je conclue avec 2 minutes de retard.